Et salut tout le monde les amis, c'est PlayerGamer, bienvenue pour un nouvel épisode de Assassin's Creed Odyssey, j'espère que vous allez bien. 31ème épisode les amis, 31ème c'est fou. Et il s'est passé beaucoup de choses les amis, j'ai farmé énormément. Comme vous voyez je suis level 36, donc du coup ça y est on peut attaquer les missions sereinement. Voilà, le cap est passé. Autre chose les amis, vous remarquez, entre deux mondes. Alors en fait j'ai découvert l'Atlantide, et du coup j'ai découvert mon vrai père. Hein, le vrai père d'Alexios. Et du coup voilà, c'était intéressant, mais ça fait pas partie de la quête principale, même si ça l'est. Enfin c'est dans notre Odyssée, mais c'est pas une quête principale. C'est comme le cosmos, hein, le culte du cosmos, c'est la même chose. Donc voilà, donc du coup j'ai des quêtes à faire, je les ferai en off, les quêtes de l'Atlantide, voilà. Donc désolé les amis, hein, si ça vous aura dérangé, vraiment désolé. Mais nous ce qu'on va s'attarder c'est sur celui-ci, hein, notre Odyssée de base, hein, c'est Asparte. Voilà, et celui-ci aussi, difficile à domicile, on n'a pas le choix de le faire. Donc, let's go! Escorte sportive level 36, c'est parti les amis. Et oui, je suis. J'ai 3 mercenaires au cul, je le sais. Mais ne vous inquiétez pas les amis, si ça nous dérange trop, on les éliminera. Je ne te connais pas, toi. Si tu veux t'entraîner, on ne prend plus personne. Ah! Tu n'as rien à m'apprendre, c'est sympathique ici. Tu n'as rien à m'apprendre. J'ai l'air d'avoir besoin d'entraînement? Le roi Pausanias m'envoie chercher le champion de Pancrace. Mille excuses, je ne savais pas que tu venais pour eh oui. Testicles. Tu devrais être plus prudent, les malentendus s'arrivent. Je sais, je ne ressemble pas vraiment à un messager. Si je peux me permettre un conseil avant que tu l'emmènes. Testicles peut se montrer difficile. Tu pourras t'attirer ses bonnes grâces en lui offrant de l'huile. De l'huile. Pour s'en enduire. Hein? Selon lui, ça lui donne la force d'Héraclès. Va voir au village de Gitéon. C'est là que travaille son marchand préféré. Hop. Alors attendez les amis. Je m'en vais. Hein. Je vais m'en aller, vous inquiétez pas. Allez, hop, je m'en vais. Je me casse. Je suis chargé d'amener ton champion, Alice. J'espère qu'il sera aussi fort que tu le veux. Oh, il le sera. Hop. Cherche son campement sur l'île la plus au sud de Messénia. Et bonne chance surtout. Allez, let's go. Trouver le prédateur. Tout sera préparateur d'huile, pardon. N'importe quoi. Prédateur. N'importe quoi. Putain, ça a 1100 mètres, mais sérieux les gars, vous abusez. Donc ouais, aussi les amis, j'ai aussi un autre truc, c'est que j'ai tué énormément de mercenaires. Bon, ça, je pense pas que ça vous intéresse, hein, des masses, mais du coup j'en ai tué beaucoup. Je suis échelon 4, si vous vous demandiez. Je suis échelon 4 et du coup voilà. On avance sereinement. Par contre, attendez. Où est mon point? Putain, il y est pas. Oh. Oh non. Oh non. Il va falloir. Oh putain, il va falloir que j'y vais comme ça. Bon, ok. Vas-y. Phobos, t'es où? Et aussi, les amis, grande nouvelle. Grande nouvelle, parce que j'ai tué beaucoup de membres du culte du cosmos, justement. J'en ai tué pas mal et j'ai monté ma lance level 5. Et donc, du coup, j'ai eu pas mal d'aptitudes. Enfin, pas mal de trucs. Donc, du coup, le soin, je l'ai à fond. Notre combo à 3 coups. Qui est marqué 3 coups, je l'ai à fond aussi. Les boucliers, je peux enlever tous les boucliers maintenant. Et après, je crois que c'est tout. Il me manque juste. J'attends le level 37 pour avoir l'assassinat surprise, tu sais. Vous savez, l'assassinat en discrétion pour le mettre au niveau 3. Parce que là, il est au niveau 2. Et comme ça, ça sera parfait. Comme ça, on sera parfaitement bien. Et donc, du coup, là, les amis, actuellement, on est level 36. On est un niveau plus fort que Cassandra. Que Cassandra on devra certainement éliminer dans le jeu. Après je sais pas si en cinématique on va devoir la tuer, je sais pas, en tout cas elle fait partie du culte, donc on devra l'éliminer, on n'aura pas le choix, mais du coup on a le niveau pour la battre. Mais le problème les amis, je pense que le niveau maximum du jeu, hein, je sais pas si on gagnera d'autres niveaux après, mais le niveau maximum utile dans le jeu c'est le level 50. Parce que j'ai pas vu d'ennemis au-dessus du level 50. Parce que le meilleur mercenaire, il est level 50. Et les meilleurs membres du cosmos, bon, hormis le fantôme du cosmos, je sais pas quel niveau il a. Mais les autres, ils ont le maximum que j'ai vu, c'est level 50. Donc je pense que il faudrait atteindre le level 50 pour être parfaitement tranquille. Que ce soit dans le jeu, dans le let's play, ou voilà. Je pense. Mais bon, pour atteindre le level 50, c'est pas... Ah ouais, ça va prendre du temps quoi. On est level 36, nous en manque 14 de level, vous imaginez. C'est à la fois beaucoup et à la fois pas beaucoup, parce qu'il y a quand même des quêtes qui... Bon, les quêtes secondaires font quand même monter bien l'XP. Ah putain, un mercenaire est là.
La voix. Bon, on va pas tergiverser, hein. Je vais payer la prime, les amis. On va pas s'emmerder. Voilà. Bon, ça me fait un peu chier parce que j'étais en train d'éliminer beaucoup de mercenaires. Je suis justement en train de voir, les amis, s'il y a une fin avec les mercenaires ou pas. Pour l'instant, ça a pas l'air, mais voilà. Du coup, on sait jamais. Du coup, j'étais en train de les tuer, mais bon. Là, j'ai pas envie de les affronter avec vous. On va perdre trop de temps, voilà. Même s'ils vont être complètement de notre niveau, hein, mais on va perdre trop de temps, ça va être chiant. Ça va être très chiant. Allez, le préparateur d'huile, me voici. Je t'écoute. Le chargement, les amis, comme d'hab. Ah. Désolé, c'est fermé. Je veux simplement de l'huile. Après, je te laisse tranquille. La même que celle que tu vends à Testicles. Ah, pour les lutteurs de Pancras. Le maître la prépare sur commande et il n'est pas là. Oui, mais je ne partirai pas sans. Tu ne comprends pas. Je suis presque libre. Tu es esclave ? Oui, et j'ai un bon travail. Si je faisais ça, je le volerais. Alors donne-moi la recette, je peux te payer, on ne peut pas trouver une solution. Je ne veux pas te mettre en mauvaise posture. Donne-moi, bah non, je peux te payer. Si c'est une question de drachme, je peux te la payer cette huile. C'est une question de confiance. Je connais mon maître, il est bon mais strict, et ma liberté est en jeu. Ah, alors donne-moi la recette, donne-moi la non. Y a pas une solution ? Je te demande beaucoup, je sais, mais j'ai besoin de cette huile. Je pourrais revenir parler à ton maître, lui expliquer la situation. Je n'ai pas vraiment le choix. Ce n'est pas une si mauvaise vie, après tout. Je vais te donner la recette, mais c'est tout. Tu la prépareras toi-même. J'y arriverai. Ah, ça, merci. Fais chauffer à feu doux l'huile d'Athènes. Cela facilitera l'infusion. Quand l'huile sera chaude, ajoute un peu de cannelle. C'est trop de travail, quoi? Ah bon? Préparons cette huile, elle voudra pas. Merci. Ah, ok. J'espère que ça vaut ma liberté. Voyons si je peux préparer ça. Le feu va faire brûler l'huile. D'abord, allumer le feu. Oh là là, ça a l'air chaud. Le feu va faire brûler. Ben non, elle a dit à feu doux, donc d'abord allumer un feu. Il faut la faire chauffer. Je sens que je vais le faire, les amis. Bon, quelle huile faut-il utiliser ? Ah putain, c'est l'huile d'Athènes. Ouais, de l'huile d'Athènes. D'Athéna. Celle-là. Pardon. L'huile d'Athéna. Je vais en prendre un peu. Yes. J'y suis presque. Reste à ajouter... Ah non ! Mais elle l'a pas dit ! Les amis, vous êtes témoins, là, elle l'a pas dit ! Je sais pas. Putain, j'en sais rien. Oh non. Pétale de rose ? Peut-être que j'ai de la chance. La touche finale, un pétale de rose. Testicles va embaumer. Oh. J'espère que ça lui plaira. Ah, elles sont... Ah bon ? J'ai envie de la garder pour moi. Ah ! Est-ce que j'ai réussi ? J'ai réellement réussi ? Putain, non, je te jure. Là, franchement, si le mec m'envoie chier, les amis, je le tue. Ah, je le tue. Parce que là, il est à 2000 mètres, le gars. Le gars est à 2000 mètres. Il est où cet enfoiré? Ah putain, il est où? Pourquoi je le vois pas sur la map? Ah, ça y est, je le vois. Putain, il est là. Oh, dans un lieu que j'ai pas vu en plus. Oh putain, merde. Bon, bah les amis, nous sommes partis. Nous sommes partis. Putain, décidément, il m'emmerde avec son nul. Hein. Franchement. Ah, le mec, il est super loin, quoi. Ah, c'est chiant parce que là, c'est des zones que j'ai pas faites, les amis. Parce que j'avais tout simplement pas le niveau au début. Et après, voilà, j'ai pas cherché à voir plus. Je savais pas qu'il allait m'emmener là, pour être honnête. Enfin, qu'il allait me dire, ouais, explore un peu l'île, quoi. Ça fait chier. Ah, c'est emmerdant. C'est très emmerdant. Du coup, là, je me tâte à vous faire une visite, mais franchement, 2000 mètres, ça va encore. 2000 mètres, normalement on y est assez vite en théorie. Surtout que là, la zone a l'air pas trop mal, c'est une espèce de montagne. C'est idéal pour le cheval en fait. Donc j'ai envie de dire, normalement ça devrait aller, les amis. En théorie.
Ouais, j'ai perdu mon point. Ah, il est en bas. D'accord. Mon point est en bas. Ok. Bon, du coup, les amis, on a quand même pas mal de quêtes à faire là pour l'instant sur AC Odyssey. Je sais pas si on. En fait, je sais pas si précisément si on est loin de la fin ou pas, en fait. Alors là, j'ai envie de vous dire que non, on est pas très loin, mais. Je sais pas. C'est bizarre, en fait. Je sais pas comment le jeu va se découper. Là, on est en train de faire l'Odyssée pour récupérer notre maison de Sparte, mais on est vraiment obligé de le faire. Parce que je ne sais pas. Ah, je sais pas si. On a l'air obligé de le faire, mais bon. On va regarder. On va peut-être essayer de voir si on n'a pas une quête. Genre le Conquérant, je crois que c'est une quête pour notre première Odyssée. Ça doit être celle-là, l'histoire principale. On va essayer de voir. Mais bon, là, tant qu'on y est, hein, on va aller voir Testicles et on va lui parler, hein, évidemment. J'espère, putain, j'espère qu'il va pas m'envoyer chier avec lui, là. J'espère que c'est qu'on a choisi le bon truc, parce que là, le pétale de rose me fait douter, malheureusement. On est d'accord que il me semble que l'esclave n'a rien dit. Enfin, l'esclave n'a pas dit une pétale de rose. Elle a rien dit. Elle avait dit, évidemment, l'huile d'Athéna. Hein, celui-là, on s'en souvient, mais l'autre, je... Oh, putain, j'ai peur, hein. J'ai peur que ça soit pas ça. Mais bon. Je croise les doigts. Écoutez les amis, je croise les doigts. Bon, il est là-bas. Malheureusement, on peut pas appeler notre navire. Ça aurait été bien. Ah putain, du coup, on va faire tout le tour. Oh putain, on doit faire tout le tour. Ah, c'est enfoiré ça. Ah ouais, ça c'est pas cool. Ça c'est vraiment pas cool. Y a même pas de navire, rien. Y a pas un navire pour... naviguer là, non? Putain, fait chier. Ah, c'est con. Ah ouais, ça, c'est pas cool. Du coup, ça va nous prendre plus de temps que prévu, pour le coup. Ça va prendre plus de temps. Et du coup, bon. Ce qui est bien, c'est qu'on a bien amélioré nos aptitudes, les amis. J'ai testé, hein, clairement, mes nouvelles aptitudes, c'est-à-dire le soin, les boucliers. J'ai pas encore vu de personne... Enfin, malheureusement, je verrai jamais une personne... un mercenaire avec un bouclier ou, je sais pas, un... une personne avec un bouclier incroyable. J'ai pas encore vu, enfin j'avais pas du tout vu un mec qui a un bouclier, genre je pouvais pas enlever. J'aurais bien aimé voir ça, donc je sais pas quelle forme c'était ces boucliers là. Mais du coup ok. Du coup bah au moins comme ça on a prévenu avant qu'il y ait le drame, parce que si on aurait retombé encore sur un soldat qu'on pourrait pas lui enlever son bouclier, ça aurait été la merde. Ça aurait été très chiant pour le coup. Waouh, c'est quoi cette brume? Une espèce de brume là. Je sais pas si normalement vous devez le voir. What the fuck? Dans le ciel, il est gris et tout là. Vous avez une tempête, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Enfin bon. Ok, on va continuer, on s'en fout. Hein. Enfin, normalement. S'il n'y a pas de soucis, hein. Évidemment. Alors hop. Allez, on peut nous ruger un peu là. Pas besoin. On va allonger les bords, hein, les amis, pour être le plus rapide possible. Ah, c'est chiant, il va plus aussi vite. Allez, faut boss, allez. Tu peux le faire. Tu veux pas aller plus vite? Au boss? Non? Ah, on a trouvé une demeure de dirigeant, d'accord. Ah, et du coup, on est arrivé sur un port. Ah. Bon, faut boss, au revoir. Au revoir, au revoir. Non, un canoë, ça ne suffira pas. Il faut appeler notre adresse TIA, je pense. On n'a pas le choix. Ah, et d'ailleurs, les amis, l'adresse TIA, je l'ai bien augmenté aussi. C'est vrai, j'avais oublié de vous le dire. L'adresse TIA, je l'ai vraiment bien augmenté. Genre quasi méconnaissable. Non, je déconne. En fait, j'ai augmenté surtout la coque. Hein, la coque. Elle est devenue en épique maintenant. Donc, elle n'est pas encore légende. Hein, parce que maintenant, les derniers matériaux, ça coûte une couille. Hein, c'est incroyable. Approximativement une couille. Bon, malheureusement, c'est chiant. C'est que ça se voit pas trop. Malheureusement. Les changements de l'adresse TIA. Mais je vous jure que j'ai changé la coque. Après, je peux vous faire voir. Je suis amélioré mes dégâts de frappe, hein, enfin mes dégâts de flèche. Je les ai vraiment améliorés, comme il faut. Donc du coup, c'est très bien tout ça. C'est très bien. Je suis toujours dans un port. Oh, bah, vraiment rien. Ah, ça y est, on rentre. Mer. Allez. J'espère que je vais pouvoir garer mon... Enfin, amarrer mon navire. J'espère. Mais avec l'adresse TIA, ça devrait aller plutôt vite, normalement. Allez, le mode croisière. Voilà, le mode croisière. Allez, vite. Brouille-toi. Je vous conseille d'utiliser le mode croisière, hein. C'est vraiment le plus grand.
Par contre, waouh, c'est quoi cette brume là? C'est chiant. Cette brume nous emmerde. Mince. Quel con. Non, notre cible est pas proche du tout, tu rigoles. Là, des choses à réfléchir. Alors, voyons voir. Il est où? Il est. Ah, il est tout là-bas. Ce doit être Testiclès. Attends, on le reconnaît de là-bas, Testiclès. Allez, on fonce. On va voir si on peut en arriver par ici. Voyons voir. Putain, je sens qu'on peut pas amarrer. Et on aura l'air bien con. Enfin, pas totalement, mais bon. On a quand même bien fait. Bah, on peut pas. Ah, si, si, si. La si, on peut résister. Accélérez, allez, plus vite. Plus vite. Allez, encore plus vite. Ah, c'est bon. On ne peut pas maintenir cette vitesse. Et voilà. Ok. Cool. Il y avait bien un petit truc pour amarrer le navire, c'est cool. Ça, c'est très sympa de la part des devs, cool. Et paf de Nestor. Bon, qu'est-ce qu'il fout dans une île comme ça, quoi? Y a rien dans cette île. C'est une île seule et abandonnée. Attends, ouais, c'est une île où il y a vraiment rien, quoi. Bon, j'espère vraiment que c'est son île. Alors là, franchement, les amis, là, ça va pas me plaire. Ça va pas me plaire du tout s'il va me dire que je t'ai trompé dans l'huile, quoi. Allez. Encore un coup. Ah oui! Qu'est-ce que tu lui veux au grand champion Testiclès? Tu ne vois pas que je suis occupé? Je dois te conduire aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques? Ah ouais! Je vais être le champion! Mec est ivre! Champion! C'est moi Testiclès! Bien, allez, partons. Oh non! Je ne peux pas partir maintenant. Je m'entraîne, d'accord? Et je ne sais pas si j'ai très envie de monter sur ton petit bateau. Monte à bord, on vogue vers la victoire, j'ai de l'huile pour toi. J'ai de l'huile pour toi? J'ai quelque chose pour toi. Une huile que tu aimes. Mon huile! Oh, embrasse-moi! Non, voilà, non. Voilà ton huile. Ah! Attends, c'est quoi cette fiente de bouc? Tout va bien? Ouais. Ah, je me sens mieux là. On a remis la bouche en place. Allez, ça s'arrose. Il faut fêter ça. D'abord on navigue, ensuite on boit. Aux Jeux Olympiques! Le peuple compte sur moi! Mais il est fêlé, lui. Alors, on y va? Oh, il a intérêt à gagner. Attends, ouais. Ok. Alors, je sais pas si on s'est trompé. Hein, avec le... Ça restera un mystère, malheureusement. Apparemment, il l'a trouvé dégueulasse. L'huile. D'accord. Mais en même temps, je crois qu'il l'a vu, donc il est complètement con. Genre, qui boit de l'huile? Franchement. Faut être complètement con. Mais du coup, ok, d'accord. Oh putain, faut que je l'amène dans la région d'Hélice. Ok. Oh, 5000 mètres! Mais arrêtez, vous déconnez. Putain, on va devoir faire ça avec tous les membres là? Parce que je dois retrouver d'autres membres, je crois, les amis, non? Ou j'ai choisi la pire quête? Je sais pas. Est-ce que j'ai eu de la chance, les amis? J'ai choisi la pire quête à faire. Mais bon, de toute façon, il fallait la faire. On n'avait pas le choix. Allez, c'est parti. Putain, je suis dans une merde. Ça intéresse d'être bien les Jeux Olympiques. La tactique, c'est pour ceux qui savent pas taper fort. Ah, 12 gars là, il va gagner les Jeux Olympiques, franchement. Moi, je le vois pas du tout gagner les Jeux Olympiques, le mec est bourré et tout. Laisse tomber. On va les perdre les Jeux Olympiques, hein. On va les perdre. Ah, enfin bon. Ah non, je peux pas. Non, mais je peux pas, les amis. Je peux pas faire de téléporteur en plus. Mince, 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 mince. Bon, les amis, on fait un ellipse, parce que ça va être long. On fait un ellipse, on se retrouve juste après, dès qu'on arrive à bon port, parce que ça va être long. Allez les amis, à tout de suite. Et re tout le monde les amis.
C'est parti, donc ça y est, j'ai enfin atterri ici, c'était long. Enfin, franchement, c'était super long, c'est 5000 mètres. Heureusement, je vous ai ellipsé ça. Et donc, on va parler à Alcibiade, qu'on avait déjà vu, hein, rappelez-vous. Bienvenue aux Jeux Olympiques. La fête a officiellement commencé. Alcibiade, ça m'étonne de te voir tout habillé. La journée commence à peine, ma petite chère. Qu'est-ce que tu fais ici qui va gagner cette année? Qui est ce combattant? Allons au jeu. Bon, on n'a pas navigué aussi longtemps pour rester à quai. C'est vrai, tout à fait. Et si tu cherches un partenaire pour t'entraîner? Bah toi, un petit Athénien tout maigrichon? Je suis le champion, moi! Sport! Oh, dommage que ta cervelle ne soit pas aussi grosse que tes muscles. D'accord. Bon, allons-y. Que je me fasse huiler avant d'aller au jeu. Ma foi, je veux bien me porter volontaire. Un athlète dans l'île, ça ne se refuse pas. Parce que ma passion, c'est l'huile. Ah, quelle surprise. Toi, tu me plais. Allez, viens. Viens me faire un câlin. Yes. Il s'est surmenagé. Il est mort? Eh bien, on dirait que c'est toi le champion maintenant. On est bien peu de choses quand même. C'est sans précédent. Et tu veux que je participe aux Jeux Olympiques? Prendre la place d'un mort, ce n'est pas très élégant. Le requin n'a pas encore digéré Testicles. Allons, Alexios, montre-leur ce que tu fais. Putain, il s'est fait bouffer l'autre con. À moi aussi. Oh putain, j'ai pas le choix. Je dois rapporter cette couronne à Sparte. Putain. Alors si je dois participer. Ah, il s'est bouffé comme une merde. Cette épreuve ne commence pas tout de suite. Nous devrions nous promener. Bon, bah, changement de programme, les amis. Hein. C'est moi finalement qui dois refaire le jeu. Putain. Vous sentez ma joie. Hein. Vous sentez ma joie de le faire. Ah là là. Bon, bah, allez. Hein. Ah, pas le choix. Le prétendant. Let's go. On doit certainement affronter quelqu'un, non? Dans ce jeu olympique. J'espère que c'est de la force, non? Toi, organisateur de Pancras et lui parler, d'accord. Ouais, bah déjà, notre champion est mort. Non mais putain, cette mort nulle. Oh, la mort nulle quand même, les amis, vous imaginez le... On a fait tout un voyage et tout, et le mec il crève comme ça, normal. Enfin, il voulait me faire un câlin, je l'esquive et il tombe dans l'eau, il crève. D'où il y avait des requins là, quoi. Ah là, ça m'a tué. Ah, c'était incroyable. Quelle mort. Ah, quelle mort peu glorieuse, c'était ouf. Ah, c'était incroyable. Je m'y attendais pas pour le coup. Ah, je m'y attendais pas à ce qu'il crève comme ça, mais bon, d'accord. Ah, putain, il s'est fait déchiqueter. Hein. Ah, c'est bien, au moins les requins ils ont bien à manger. Hein. Le mec, comment il était stock. Ah, putain, incroyable. Incroyable, les amis. Oh putain, des sables mouvants. Oula, je le sens pas ça. C'est quoi ça? Des sables mouvants, carrément. Ah merde, il y a un mercenaire, on va le croiser. C'est lui, je crois. Ah, c'est lui. Bon, ça va. Heureusement qu'on a payé la prime, les amis. Non, pas de soucis. Bon, du coup, on va aller voir l'organisateur. Hein. Il y a 4 minutes. On va peut-être juste commencer, les amis. Juste commencer. Putain, mais par contre, mais c'est quoi ces missions qui m'envoient au bout de nulle part, quoi. C'est un truc de fou. Non, mais vous imaginez, encore 2000 mètres, quoi. J'aimerais bien qu'ils arrêtent avec les missions tous les 2000 mètres, là, c'est chiant. Parce que ça nous fait perdre un temps précieux et je vais pas vous faire 50 ellipses non plus, il faudrait déconner. Ça serait super chiant sinon à faire. Donc, mais bon, c'est pas grave. Au moins on voit un peu de paysage. C'est vrai que cette région là, je suis pas encore allé. La région d'Hélice, justement. Je suis pas encore allé. C'est plutôt sympa. Bon, ça change vite fait, on va dire.
Mais c'est plutôt sympa. Dégagez, on dégage tous. Bye bye, au revoir. Donc du coup les amis, off, je pense que je vais continuer encore off à farm. Hein, parce qu'on doit remonter encore en puissance, je pense. Mais bon là c'est bien, on a le niveau pour l'instant. Du coup c'est cool. Plutôt cool. Mais j'aurais bien monté, je sais pas, level 40, ce serait vraiment stylé. Level 40 serait extrêmement stylé. Et après, je sais pas, après, on verra bien. Mais après, je pense, hein, d'après moi, si on est level 50, on aura plus de problèmes pour farm. Hein. Enfin, on aura plus de problèmes avec, notre histoire principale. Très bon pic. Mais là, est-ce qu'on ne voit pas qu'on a des actes? D'accord. Voilà, là, il va y avoir un pic. Ok. Ah, pas de soucis. De toute façon, je comptais pas tuer un mercenaire ici, mais oui, ok. Pas de problème. Mais ça, c'est pour le mois en off, les amis. Hein. J'éviterai. Son entrée olympique, d'accord. Par contre, j'ai lâché mon cheval un peu trop tôt, je trouve. 300 mètres, j'abuse un peu là. Ouais, là, j'ai un peu abusé. Bon, du coup, est-ce qu'on va trouver la personne comme ça, j'espère? L'organisateur? Il est pas dans une zone interdite quand même. Hein, rassure-moi. L'organisateur de Pancras, c'est dans la région d'Ali. Il se trouve au centre de la vallée d'Olympie. Il se trouve au nord-est de l'hôtel de Zeus. L'hôtel de Zeus. Ah oui, il faut que je le trouve. Ah putain, il y a un mercenaire là-bas. Il faut que je lui parle. Ok, bon ça va, il était plus proche que ce qui m'était donné dans le point. Allez, on va aller parler à cet organisateur, les amis. On va voir ce qu'il a à nous dire. Nouveau lieu historique de pouvoir, stade. Ok. Vas-y, je t'écoute, cher organisateur. Dis-moi ce que je dois faire ou... N'importe quoi. N'importe quoi. Que je commençais à prendre la preuve, je ne sais pas. Je viens pour le Pancras. Tu plaisantes? Il ne nous manque qu'un combattant, et ah, c'est Testicles. C'est moi. Je le remplace. Il a eu quelques soucis. Oui, justement. Estomac. C'est moi qui le remplace. Très bien, très bien. Tiens, ouais, c'est bon, je suis prêt. C'est un fait sans précédent, mais si le Pancras est annulé, il y aura une émeute. Très bien. La compétition va commencer. Nice. Allons-y. C'est le moment. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? En vrai, j'ai envie de dire, tant mieux que Testicles nous représente pas, parce que laisse tomber, il est complètement con. C'est peut-être plus rassurant que c'est nous qu'on va le faire. Ah! Ah oui, c'est de la lutte, merde. Ah, finalement, c'est moins rassurant, les amis. On a beau être musclé, mais on n'est pas aussi musclé que lui. Oh putain, ça m'appelle Zelda Twilight Princess. Bienvenue à tous. Partagez mon enthousiasme et découvrez Kalias, ancien champion du stade et aujourd'hui l'un des juges les plus estimés à Olympie. Mes amis, c'est un honneur pour moi d'ouvrir une épreuve aussi chère à mon cœur, le Pancras. Mais c'est de la merde, la Pancras. Je ne m'étendrai pas davantage, nous sommes tous impatients de voir de l'action. Pour Zeus, que débute cette épreuve. Bon, en vrai, c'est vachement classe, hein, mais... Putain. Je vais t'écraser comme... Gros, t'es même pas musclé. D'où tu m'écrases? Ah! D'accord. Oh le bâtard! Attends, je peux te... Oh ouais, je peux te ma technique! Ah, excellent les amis, j'ai le droit à ma technique! Oh, j'ai moins de barres, mais j'ai le droit à ma technique! Ah, c'est génial! Bon, là on a tué au rayon. Ah putain, c'est génial! C'est tout ce que tu... Ça, je l'ai massacré! Oh, ce n'était que le début! Quoi? Maintenant que notre concurrent s'est échauffé, voyons de quoi il est capable face... C'est qui, Erastos? Ah, c'est lui? Ah, il est déjà un peu plus musclé que l'autre. Bonne chance! Ok. Ligne des yeux, ça n'a pas l'air facile en vrai. Tiens, tiens, tiens. Tiens, 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 et... Tiens, boum, on a gagné. Ok. Alors, ça marche bien, on a un coup spécial. Du coup, le coup spécial, on va le garder pour le dernier, je pense. Enfin, si on voit lequel c'est... Je sens que je vais affronter le champion. Hein. Je le vois gros comme une maison. Hein.
Bon, bah ça c'est fait. Et le champion, ça va être super dur à battre. La foule t'adore. Mais ce n'est pas encore fini. Pas fini? Une belle offrande aux dieux. Vous ne trouvez pas? Nous retrouverons bientôt pour le dernier combat. Le magnifique et puissant. Je me demande ce que ça aurait donné à Cassandra là. À notre place. Ça aurait été drôle. Hein? Oh. Champion en titre. Ah, du coup, je vais l'affronter, c'est ça? Non, mais le champion en titre, c'est Kalas, c'est pas Dorius. Dorian Russe, c'est pas ça? Non, c'est pas lui. Ok, bon. Je sais pas si c'est le dernier, donc on va utiliser notre ulti et on verra bien. Et on verra bien si on gagne, les amis. Mais bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Et après, c'est assez différent parce que. Parce que je ne sais pas comment bloquer les attaques. Ah, c'est lui! Incroyable! Je vais devenir le compagnon d'un champion olympique. Oh, tu es encore meilleur au corps à corps que moi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, si Socrate était un partenaire plus souple. Alcibiade! Qu'est-ce qu'il a? Tu te sens bien? La fête avec mon ami Démophane et Callias. Des juges très respectés. Trop de vin, c'est ça? À croire que tu as bu à la coupe de Médée. Ah, il est bourré. La coupe de Médée? Tu crois qu'on m'a empoisonné? Je vais chercher Démocrate. Si tu as été empoisonné, je dois trouver ces juges. Empoisonné? Tu crois qu'ils l'ont été aussi? Non, jamais. Ils sont honnêtes, c'est impensable. Ils organisent toujours une fête pour les jeux en l'honneur de la trêve sacrée. Ouais, t'as l'air beaucoup trop empoisonné. Reste avec lui. Je vais découvrir ce qui s'est passé. Tends-moi. Oh Olivier, et je Callias, putain l'enfoiré, c'est un membre du culte. D'accord, c'est un membre du culte. Il est 36, ok. Et c'est qui? Il est où? Il est... Ah, il est là, d'accord. Ah, c'est un membre du culte. Ah, d'accord. Ah, quel enfoiré. Quelle vermine. Ah, tout s'explique en fait, tout s'explique. Bah, du coup, on va le tuer. Mais du coup, les amis, on s'arrête ici. J'espère que vous aura plu cet épisode de Assassin's Creed, jeu à long terme. Odyssée, merci à regarder. Alors, par contre, attendez, on va juste regarder cette quête. Elle est obligatoire, cette quête, j'imagine, non? Elle est obligatoire. Jeu à long terme. Ouais, on est obligé. C'est pour le titre olympique. Ok. Allez, les amis. Bye tout le monde.